Alors, la démarche design thinking et ce qu'on a pu proposer aujourd'hui, ça permet d'avoir un travail collaboratif avec des collègues sur un format court, un format qui est timé et qui nous permet de pouvoir répondre à un besoin repéré des assurés afin de leur offrir une meilleure qualité de service nécessaire. Démarche de design thinking à la CRAMIF, donc aussi innovante soit-elle, elle est typiquement là pour nous permettre du coup de lever les silos qu'on peut avoir typiquement dans nos fonctionnements à la CRAMIF et pour l'avoir vécu là dans le cadre de ces groupes, on voit bien que du coup on sait travailler ensemble, que ça fonctionne et que du coup ce type de démarche va nous aider à lever ces silos, à mieux fonctionner ensemble et in fine à mieux répondre aux besoins de l'assuré. Alors voilà, ce que je voulais dire, ce que j'avais retiré de cette expérience, c'est que parfois on a un objectif qu'on atteint ou pas, pas toujours, tel qu'on l'avait imaginé. Alors peut-être qu'on a un objectif différent, mais qu'en tout cas, voilà, il y a toujours une expérience positive, il y a toujours quelque chose à retirer, même si on n'accomplit pas forcément ce qu'on avait imaginé dès le départ, et que le travail, l'échange en équipe, ça permet justement de s'ouvrir sur d'autres choses, sur d'autres façons de penser, d'autres cheminements, d'autres réflexions. Et que c'est ça que je vais, moi, conserver, surtout pour me l'appliquer à moi-même et à mes équipes dans la mesure du possible. Voilà, si je pouvais finalement échanger ce que j'ai appris et ce que j'ai compris, ça peut déjà être pas mal.